y la tienes on Facebook. Y a mí, si te quitas paz, le me de ella. Mon chef, si, c'est ton pied qui doit te causer des chèques. Tu n'es pas croire en Dieu. Coupe ce pied. Ma chère sœur, si c'est ton bras qui doit t'empêcher de voir les royaumes des cieux, coupe-moi ce bras. Pasteur, une question à vous entendre. Lorsque c'est la tête qui fait du feu, qu'est-ce qu'il a eu de faire dans votre tête? Mon fils, si c'est ta tête qui doit t'empêcher d'aller au paradis, coupe-moi cette tête. Lazare a ressuscité. Et ça, ça sera la gloire de Dieu pour toi. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse Dieu. Le Seigneur est la clé de notre assurance suprême. Si c'est ta tête, coupe-moi cette tête, mon fils. Il faut couper. Il faut couper. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se sont sacrifiés pour lui, pour sa gloire. Si c'est ton pied, coupe, mon fils. Lazare a ressuscité. Dieu est bon. Mes amis pasteurs. Bonjour, bonjour, mes chers frères. Bonjour. Bonjour, pasteur. Nous nous sommes intéressés à votre évangile tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Donc dans votre évangile, il paraît que si la main gauche est un défaut, on doit couper cette main-là. Exactement. Et si c'est la tête, on doit se couper la tête là. Coupe cette tête pour la gloire de l'Éternel. C'est ça qui t'empêche d'aller au royaume. Donc nous on va commencer à voir l'exemple par vos propres disciples. Coupe-moi la main de la fille. Pasteur, si c'est ta main qui t'empêche d'aller au ciel, laisse qu'on me coupe cette main. Pasteur, laisse qu'on me coupe cette main. Non, je ne crois pas en Dieu. Et voilà, je veux que tu crois en Dieu. Toi, regarde, ta mère, moi je crois en Dieu. Je vous ai dit que je crois en Dieu. Imbécile, mes anciens collègues. Je vais te couper. Le ciel est vide. On va te couper. Le ciel est vide. Il n'y a rien dans le ciel. Je t'ai dit que quoi?